demande, bon, bah, en fin de compte, il m'énerve ce col, il veut pas rester. En fin de compte, bah, je devais aller chez mes parents, mais il fait très froid chez mes parents. Et la côte n'est pas dégelée, ça brille. Donc, ils ne peuvent pas conduire. Même ma soeur qui va ramener mon autre soeur chez eux ne va pas monter la côte. Donc, c'est reporté à demain. Donc, je me suis habillée, coiffée, tout ça pour bah, rien, mais tant pis, je me suis occupée de moi. Voilà, ça fait du bien. Et j'ai les dents à peu près bien nettoyées, mais j'ai frotté avec le bâton. C'est des bâtons japonais pour les animaux. Ou alors, il y a aussi les maghrébins qui s'en servent pour nettoyer leurs dents. Donc voilà, c'est ce que je fais aussi. Donc j'ai gratté, gratté, gratté. C'est pas facile à enlever. Je fais attention quand je fume maintenant à ne pas exposer mes dents. Donc voilà, je fume comme ça. Donc là, bah, j'ai 12 petits mages qui n'attendent plus que de faire des capsules altérées. Alors j'ai choisi les capsules en fonction de l'opercule qu'on peut enlever. Donc j'ai des 1664 et deux noirs. Voilà, je crois que j'ai un cheveu quelque part, ça me chatouille. Oui, voilà. Poubelle. Alors maintenant, je fais le tri, hein. Je mets les plastiques dans le sac AliExpress, un gros sac AliExpress. Bah oui, il y avait mes chaussures dedans. Donc, comme c'est des bottines. Voilà. Et puis dans la poubelle, je mets les déchets, les papiers, voilà, les cheveux, quoi d'autre encore, les mouchoirs. Voilà. Donc. Eh ben, je vais commencer ça. J'ai préparé, j'ai vidé. Mais je vois de la poussière. J'ai préparé le carton. Donc celui-ci, c'est pour les capsules qui sèchent. Et il y en a encore un là. Décidément, j'en ai perdu aujourd'hui des cheveux. Et donc voilà, je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Histoire de. Bon, elles sont pas propres, hein, le plastique est vieux. Donc, je commence un. J'espère que ça va bien de ce côté-là. Ça vous plaît comme vue. Alors, j'ouvre les dents et je m'occupe du plastique après. Donc, je commence à avoir l'habitude. Hein. J'en ai fait 61 en 2 jours. Donc là, je prends mon temps. Il faut prendre son temps quand on fait des capsules altérées. Et donc, alors je vais le laisser ouvert. On vient délicatement. Sans le déchirer, soulever, allez, de quoi glisser le doigt, du caoutchouc, on tire un peu, sans craquer le caoutchouc surtout, donc hop,
C'est pour ça que j'ai les ongles esquintés, hein, le vernis qui est. Donc, on s'amuse à faire le tour. C'est mieux. Hop, on tire le tour. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, tout est parti. Donc voilà. Hop, plastique. Ouais, bon, c'est dans les déchets. Hein. Et sur la noire, elle est plus dure, celle-là. Alors, je vous préviens, il faut de la force. Et de la patience. Donc moi, je suis en train de faire les... Je suis en train de m'avancer pour l'année prochaine pour faire les marchés de Noël. Là, je m'y prendrai un peu plus tôt parce que là, je m'y suis pris trop tard. Donc Ah ouh, attention aux doigts. Je ne veux pas bien s'y faire celle-là. Vais essayer aux doigts. Non. On va essayer de l'autre côté. Peut-être que j'aurai un peu plus de chance. De l'autre côté. Bon. Bon, bon, bon. Eh bien, je l'aurai quand... Si j'y arrive pas là. Non. Je l'aurai quand elle sera aplatie. Donc, on prépare ces capsules. Tout en même temps hein, pour faire un seul passage avec la Big Shot. Ça évite d'en faire 4, 5 et puis après ça vous fasse des manipulations. Alors, ah, zut, ça dérape. Ah, 1664, enfin 1664, c'est nickel. Nickel chrome. Ça donne quelque chose de propre. Voilà, vous voyez, comparé à l'autre. Voilà. Moi, je mets dans les déchets parce que c'est pas... C'est du caoutchouc, c'est pas du plastique.
Alors, c'est pas propre, hein, elles sont vieilles. Alors, rassurez-vous, si je me coupe, c'est pas grave, je suis vaccinée contre le tétanos. Donc, je ne crains rien. Paraît bizarre celle-là. Ben oui, voilà, je l'avais dit, elle me paraît bizarre. Voilà, il y a que le rond qui s'est enlevé. On va enlever le plastique. J'ai enlevé le maximum. Là, c'est pas grave, ça adhérera quand même. Donc, on continue notre avancée. Celle-là aussi, elle me paraît franchement bizarre. J'arrive même pas à la soulever. Non. Celle-là, je vais abandonner. Bon, celle-là est sale, mais c'est pas grave. C'est que l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors, la noire, à savoir si ça va le faire. Déjà, il faut une force plus conséquente.
bien voir ce que ça donne. Il s'enlève. Voilà. Donc, eh ben, il m'en manquera une parce que l'autre, il n'a pas voulu. Voilà, quand ça s'enlève comme ça, c'est que c'est bon. Voilà, nickel. Ça rip. Voilà. Hop. Ensuite. Voilà. Et il va falloir que j'en recherche une, parce qu'il va m'en manquer une.
Voilà. Hop, ça c'est pas défait. On fait caoutchouc comme ça. Voilà, ça ira bien. Et alors, j'en trouve une. Je vais chercher une 1664. Voilà, peut-être que ça ira mieux. Là, ça a l'air d'aller. Donc on fait le tour, ça dégage bien. Hop là, voilà. Puis celle-là, poubelle. J'en tirerai rien. Il n'y a que celle-là qu'il va falloir vérifier. Donc, bah je vais les mettre sur la plaque. L'envers. Voilà, met la plaque par-dessus et on fait un passage. Ça suffit. Je repèse sur mes mains. Donc, voilà, celle qui était donc là, je vais m'amuser à enlever le plastique. Peut-être que de l'autre côté, j'aurais plus de chance. Ouais, mais alors, là, faut que je le tienne. Il faut de la patience et de la force, hein, ça, je l'ai dit, hein. J'ai pas l'impression qu'il coupe encore mon scalpel à force. Ben ça y est, il a décidé. Ah, les chats qui se battent. Très bien enlevé. Voilà. Si je peux. Non, je peux pas. Faut enlever la couche de plastique.
Voilà quoi, on va s'arrêter là. Donc là, à cette étape-là, on redresse les pattes un petit peu, on fait tout le tour. Pour faire plus joli. Voyez, ça fait un peu plus joli que tout recourbé comme ça. Peut-être même faire un peu plus. On y va tout doucement parce que c'est léger, léger, hein. Le redressement. Voilà. Ça fait un peu plus joli. Voyez la différence. Voilà. Celle-là, elle est prête. Il n'y a plus qu'à faire toutes celles-là. On redresse. Jusqu'à temps que ça vous satisfasse. On y va tout doucement. Je pense que c'est bon là. Là, j'ai vu les endroits qui. Voilà. Ça demande du temps, c'est sûr. Mais voilà quoi, il y a. Il n'y a pas photo. C'est bien plus joli. Avec un peu de manutention.
C'est en les posant que je regarde si ça va. Et là, vous faites simplement glisser votre pince le long de la du rebord. Ça glisse tout seul. Il va falloir que je la nettoie celle-là. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc cette étape-là étant finie, je vous fais une autre vidéo à la suite, hein. Comme ça me fait une petite pause. Parce que bah oui, ça demande de un petit peu de force quand même. Et puis on passe à la déco après. Voilà. Donc à tout de suite. Et voilà.